C'est quoi la plus grosse dinguerie que t'as vu ici toute ta vie, gros? La plus grosse dinguerie que j'ai vu ici? Des morts. Ici aussi, il y a du shit, il y a de la bœuf, il y a de la coke, il y a de l'héro. Il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a eu des morts dans toutes les rues. Toutes les rues où je t'ai ramené, il y a eu des morts. Je veux pas te dire qu'on est à Chicago, mais t'as pas besoin de prendre l'avion pour aller là-bas côté ici. Trahis jamais, sinon ça va te couper la gueule. Dealer ici, on est où? Partout dans la cité, il y a des flèches partout. Si tu veux de la drogue, tu peux pas te faire. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Ok, c'est Billy La Hure. Avec mon gars Billy La Hure. Tu connais déjà, y'a pas besoin de se présenter, go. Ici, t'es au Clos Saint-Lazare. Montre-leur les murs, les S. C'est ça, c'est grand ici en plus. Ah, c'est grand, go. Il y a eu des morts dans toutes les rues, même sur la rue où t'es. T'es au Clos ici, mon frère. Déjà, avant tout, on est de quel côté du quartier? Est-ce que t'as clippé ici? C'est ouais, j'ai déjà clippé ici. Sur en bas chez moi, j'ai déjà clippé ici. J'ai clippé partout. Ici, on est en bas ici. Y'a en bas, y'a en haut, mais c'est pareil. C'est le Clos. Vas-y, viens, on va marcher un peu, gros. Vas-y, on marche un peu. Déjà, avant tout, toi, t'as commencé quand? T'as commencé comment le son? Le son, j'ai commencé, ça fait 5 ans. Mon premier son, c'est Bibi Tous les Jours avec la B15. C'est des rappeurs de Masté aussi. À la base, moi, c'est un groupe, c'est La Hure à la base. C'est un groupe, mais mon poteau, il est au placard, il a pris une peine très sale. Et je l'attends, je suis là. Tu t'es mis solo, du coup? Voilà, là, pour l'instant, je suis solo. Ça a commencé un feat avec B15 du coup. Un feat avec B15, le clip il s'est tourné juste là-bas, je vais te ramener au rond-point. En plus B15 ils sont encore actifs, non? Eh, ils sont actifs encore, ils sont là, ils sont encore là, ils sont toujours là. Dans tous les cas on va tout niquer, voilà. On va tout niquer quoi qu'il arrive. Quoi, y a qui d'autre comme rappeur ici par exemple? Ici y'a qui? Y'a la B15, y'a moi, y'a Mayo, y'a Cobra. Après là c'était que les rappeurs de ma cité, après y'a des autres rappeurs de la ville. Mais moi je te parle que des gens de ma cité. Sinon on est tous ensemble, ça bouge pas. Regarde, même les petits de la cité sont en mode sale, frère, rétro cassé. Ils sont bas les couilles, frère. Voilà, c'est la rue, pas de permis, comme ça. Vas-y, Jim, ça après. Ouais, ouais. Bon, sinon moi, toi, t'es sorti d'une longue pause. Ah, je suis sorti d'une très longue pause. Hein. Faut expliquer pourquoi. Bon. Je veux pas te dire les détails, mais c'est pour la voyoucratie. Je suis parti à Fleury, je suis sorti, j'ai fait 15 jours dehors, j'ai rebéton à Oni, je suis sorti d'Oni. Et j'ai envoyé, hein. Et là ça fait 10 mois que je suis dehors. Hein. Ça fait 10 mois que t'envoies fort. Ça fait 10 mois que j'envoie fort. Et justement, t'as fait qui comme fait? T'as fait Kelargo, t'as fait Squadra, J'ai fait Kelargo, j'ai fait Squadra, Shotas, j'ai fait Lims. Mais il y a plein de clips qui n'est pas sorti encore. C'est que des singles, je prépare aucun projet, c'est que des singles jusqu'à que ça pète. Et quoi qu'il arrive, ça va péter. Bah c'est lequel qui a le mieux pris déjà? Avec la Squadra, ouais. 1,1 million en 5 mois. Et comment tu les as connus? Par exemple, Squadra, t'as fait comment la connexion? Kelargo, t'as fait comment la connexion? En vrai, la Squadra, la Stero, c'est à côté, on se connaît tous. Zoken, la Squadra, il est en cellule avec moi. Même ma première peine, ça fait 8 ans. Tu vois, je te parle de ça, tu vas même pas me croire, ça fait 8 ans. Ma première peine, il était avec moi, on était à Porcheville. On n'avait même pas de sperme encore, on était ensemble en prison. On se retrouve encore dans la même cellule à Fleury. Wesh gros, quand on sort il faut qu'on fasse un truc. Ah bon, c'est le destin. Voilà. Et par exemple Kelargo gros aussi, la connexion s'est fait comment avec eux? Kelargo c'est avec mon producteur, mon label. Ils m'ont dit je te vois bien en feat avec eux, des mecs du 9-5 qui s'appellent Kelargo. J'ai dit ouais je connais un peu, tout ça, nanani nanana, j'aime bien leur délire. Oh, vas-y, on va leur faire écouter ton délire. Ah ouais, eux-mêmes ils ont dit j'aime bien, pourquoi pas. On a fait le son, on l'a clippé et il sort demain. Argent tu peux en prendre ça, tu veux des meilleurs, y'en a là. Je manie la mélo, la moto, ouais, la guitare. Ouais, il est pas encore sorti mais les gens ils ont l'air d'aimer. T'as déjà mis des petits avant-goûts quoi avant? Ouais, la sortie. Sur Snap, Insta. Ça a bien plu ou quoi? Ouais, toujours envoie-moi le son. Moi tu connais, vas-y après, mais vas-y, je t'envoie pas. Ah, faut attendre la sortie, ma gueule. Tu vas cliquer direct, quoi qu'il arrive, tu vas cliquer. Ouais, bon, sinon ça a clippé où du coup à peu près? T'as clippé ici par là, tu m'as partout, dit? Partout, tu marches depuis tout à l'heure, j'ai clippé. Ouais, partout. Partout, t'avais combien de clips même au total, gros? À mon actif, j'avoue, il y a eu des clips qui a été supprimé. Et là, je crois sur ma page YouTube, je dois avoir peut-être, je sais même pas, 8 clips. Un actif, mais il y a plein de clips qui ont été supprimés.
Il y a plein de clips qui ont été supprimés. Alors Billy, là, on est de quel côté du coup du quartier? On est toujours en bas, t'es toujours en bas. Regarde, ouais. Ici, il y a les Bicraveurs. Tu connais bien quoi les gars? C'est comment? Ici, on est en bas, on est sur le S toujours. Ouais. Là, on va rentrer dans Total, où on se pose tous. C'est quoi, c'est station essence ici ou ouais, quoi? Ouais, station essence. On se pose ici pour une sécurité. Comme ça, celui-là qui a les couilles de venir tirer, il tire toute la pompe, on va péter. Puis ici, bon, ouais. C'est un quartier que tout le monde connaît, hein. Ah. Et la réputation qui va avec et tout. C'est comment? Est-ce que c'était pire avant? Est-ce que c'est pire maintenant? C'est comment ici? Je te mens pas, c'est toujours chaud, hein. Et t'as les couilles de venir filmer ici. Merci. T'as les couilles de venir filmer ici. C'est ici, il y a tout le monde, t'as Total. Regarde, il y a tout le monde mélangé, on est tous ensemble, frère. Même là, il y a le rappeur Cobra, il est là. Ouais, Cobra, viens. Il est là, il est toujours là. Il est solo, il est en groupe, c'est... Il est solo, à la base c'est un groupe, à la base c'est Cobra DVA, mais là il est en solo là. C'est comment mon gars, ça dit quoi? Bon, ça va ou quoi? Tranquille? Encore, tu vas bien? Ouais, on calme. Quoi, c'est soudé un peu entre rappeurs ici ou quoi? Ouais, c'est soudé, on est tous ensemble, on se donne tous la force. Et si ça pète, quoi qu'il arrive, on va tous péter ensemble. Il y a peut-être des feats prévus avec des gars d'ici. J'ai déjà fait un feat avec lui, mais on va en refaire encore et encore. On va en refaire jusqu'à que ça prend. Ah, dealer mon gars. Comme je disais, de base, j'étais avec mon pote DVA. Et puis après, je suis parti un peu en solo là. On va envoyer ça en 2022. On a déjà envoyé beaucoup de clips là. Cobra officiel. Je suis un peu sur tous les réseaux Instagram, TikTok, Snapchat. T'as capté, tu connais les clips, on est ensemble. Des milliers, j'en veux pas, mais j'en ai fait des choses. Tout ça pour des pesos, ouais. Un train, ça devient un ennemi. Trop de couteaux dans le dos. Tout ça pour des pesos, ouais. Dans le bloc, c'est la pharmacie. Sur moi, j'ai ce qu'il faut. Ouais. T'as jamais clippé ici toi? Ici, à Total, si j'ai clippé mon dernier son avec Snoop, mon avant-dernier son avec Snoop, on l'a clippé ici, dans Total. Il y avait tout le monde était posé comme ça. Nous, c'est des clips naturels, des vrais clips naturels. Il n'y a pas besoin de ouais, viens, on est tous là, on est déjà beaucoup dehors. Celui-là qui vient, qui fait le con, on va lui niquer sa mère. Voilà. Et justement, c'est quoi le clip le plus énervé que t'as fait, tu penses? Le plus énervé que j'ai fait? En vrai, pour de vrai, c'est mon premier clip Bibi tous les jours, il y avait au moins 200 personnes. Hein. Il y avait au moins 200 personnes, moi-même j'étais choqué. Bah quoi, du coup, c'était des mecs d'un peu partout ou que d'ici? Que d'ici, il y avait des mecs un peu d'à côté, le pote à un tel. Après, tous mes autres clips, ils ont toujours été énervés. Hein. Mais ce clip, franchement, il y avait du monde pour de vrai. Regarde les keufs, ces fils de pute. Ils rentrent pas Total, jamais de la vie. Ils sont interdits de rentrer ici. Et quoi, ils sont chauds ici, les keufs ou quoi? Ils sont pas chauds, hein. Ils font peur aux gens d'ailleurs, sinon ici, ils font rien du tout, hein. Voilà, vraiment pas, ils font rien, ils font peur aux gens d'ailleurs. Hein. 14K, grand voyou, grand banditiste, connu dans toutes les prisons. Toi, t'es un grand chicheur. Moi? Ouais, moi, c'est que la chicha, moi. Moi, c'est que la chicha, rien d'autre, que la chicha. C'est quoi ton goût, gros? Mon goût? Love 66. Non, je rigole, voilà, je rigole. Je fume tout, moi. Je fume tout. Tout ça, c'est encore le clos là-bas ou quoi? Tout ça c'est le clos, tout ça ce que tu vois c'est le clos, même les là, tout ça c'est le clos. C'est quoi l'objectif du coup là? Tu renvoies à fond les sons et tout, mais à quel moment tu vas passer l'étape supérieure on va dire? L'étape supérieure? Quand je vais faire des millions de vues à répétition, là on va passer l'étape supérieure. Ça c'est le plan B, c'est secret. Ouais, ça sont récentes les flèches ou quoi là? Je vois depuis tout à l'heure ça met les directions. Ah, les flèches, ils te ramènent dans tous les terrains. Il y a des flèches ici, ils te ramènent dans le terrain là-bas, il y a des flèches ici, ils te ramènent dans le terrain de là-bas, il y a des flèches là-bas, ils te ramènent dans le terrain de là-bas. Il y a des terrains partout, frère. Ah, ça va, c'est organisé ici. Ah, c'est organisé. T'es mal, les petites masters sur ce ballon. Regarde, voilà, ils sont fous, voilà. Ils font demi-tour, voilà, ils sont malades. Regardez, c'est des vrais petits chez moi. Hein. Okay. Voilà, c'est des vrais petits pirates, la vie de ma mère. Mon gars. Ici, ouais, trahis jamais hey, le gang, frère. Trahis jamais, sinon ça va te couper la gueule. Dealer, ici on est où? Ici on est au clos Saint-Lazare, voilà. CSL, poteau. Ah, depuis 2003, putain de merde. Quoi, Billy, dans les petits, y en a, ils rappent un peu ou dans les nouvelles générations ici, là, les plus jeunes? Est-ce qu'il y a des rappeurs un peu ici? Plus jeunes que moi, ouais. Comme Cobra que je vous ai montré, il est plus jeune que moi. La Bécane, ils sont plus jeunes que moi. Ouais, il y a plein de rappeurs plus jeunes que moi, ils rappent ici. Quand je dis plus jeune que moi, et peut-être ils ont 2 ans moins que moi. Ouais. Mais après, on n'a pas tous le même vécu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand t'écris, c'est quoi qui te met à cœur de mettre dans le texte? Franchement, quand moi j'écris,
j'écris ce que je vis tout de suite là. J'écris ce que je vis tout de suite. Ou bien ce que j'ai vécu hier ou avant-hier. Tu vois quoi, calme. Ce que j'ai vécu hier ou avant-hier, ou bien ce que j'ai vu. Je raconte ma vie en gros. Mais j'ai tellement des trucs de fou. Les gens ils vont dire que je mens, mais je mens pas, je dis que la vérité. La vie de ma mère, je dis que la vérité dans mes sons. Ah, attends, c'est comment ça dit quand hein? Ici, c'est l'épicerie base de la cité. Quand t'as besoin de clopes, t'as besoin de feuilles, t'as besoin de piaf, t'as besoin de tout ce que tu veux, tu viens ici. Tu viens ici directement, voilà, c'est la famille. Depuis qu'on est tout petit, on vient ici. Là, on s'approche du boulodrome. Si tu veux des chutes, même ici, on a frère. Pourquoi ça s'appelle boulodrome même ici en fait? Boulodrome. Je sais pas, ça s'est toujours appelé comme ça. Ouais, j'ai déjà tippé ici avec Kams. Ah ouais, aussi t'as fait un feat avec Kams. C'était quand ça même? Ça fait au moins un an maintenant. Ouais. Au moins un an. Ouais. Là, il y a les poteaux, ils sont là. Les flèches, ils te ramènent ici, les flèches. Les flèches, ils te ramènent ici aussi. Ils te ramènent là-bas, ils te ramènent là-bas, ils te ramènent partout. Biggie dealer. Il te ramène partout les flèches. Tu connais, je vais juste de les suivre. Tu les suis, je vais venir avec du fric par contre. Si t'as pas de fric, c'est mort. C'est quoi qui t'a motivé à rentrer dans le son un petit peu toi? À rentrer c'est... dans le son? Ouais. À la base c'était un délire. J'ai sorti mon premier son. J'ai vu, il a fait 100 000 vues, 0 abonnés sur ma page. Mais pourquoi pas? Bah oui, je veux continuer. Comment t'as eu un producteur, etc. Mon producteur, c'est un grand de chez moi, c'est un grand de ma cité. Il aime ce que je fais, il a aimé ce que je fais. Il a vu un avenir en moi. Il est venu me voir, il m'a parlé français. Oui, vas-y, ça me va. Et est-ce que ça t'a changé la façon de travailler et tout d'avoir un producteur? Je te mens pas. Bah ouais, ça m'a changé parce que là, il y a vraiment quelqu'un derrière moi qui se connaît très très bien dans la musique. Et il m'ouvre plein de portes. Moi je fais le boulot et lui fait son boulot. Après c'est chacun son boulot. Ça fait combien de temps que t'es avec lui du coup toi? Là ça fait plus d'un an et demi je suis avec lui. C'est ouais. Un vrai, je suis allé en prison deux fois, il m'a jamais lâché. Y'a de quoi manger. Hey, c'est comment les gars? Mon gars, base. Voilà, c'est comment les gars? Ça dit quoi? Voilà, on gagne, il vient sur du Billy Lahu à fond. Ce que je te disais, c'est un vrai producteur, voilà. Ça, c'est notre son, ça. Ça, c'est ton son, hein? Voilà. Toi, tu es donné, Jazz. C'est lequel, celui-là? Bébé, tiens, Jazz, Billy, Bass. On est dans le même label, on a fait plein de sons. Et quoi qu'il arrive, ils sont morts, ça va péter. On sait pas c'est lequel qui va péter, mais quoi qu'il arrive, ça va péter. Parce qu'en vrai, je veux pas te mentir, hein. Devant la caméra, je le dis, mes meilleurs sons, c'est avec lui. Bah, du coup, Billy, comment tu l'as connu, du coup? Pour avoir fait plein de feats avec lui et tout. Comment vous êtes connu, toi et Billy, tu vois? J'ai connu grâce à TBLR, en vrai. TBLR Music, on est dans le même label. Du moment qu'on est dans le même label, on est dans la même famille. C'est-à-dire on est obligé de se côtoyer, on est obligé de... Quoi qu'il arrive. J'ai cherché plusieurs projets. Hein. Des blips. Après j'ai fait quoi? Un petit tête Chotas, après Cozy et là Mala. Là ça va, et à Billy aussi. Allez cliquer sur sa page. Le 5 Mala il est très très sale. Mais c'est pas pour les petites bites. Hein. Tous les jours je suis dans le route. Glotte dans les yeux tu vois flou. Ils m'observent tous à la loupe. Ils entendent tous parler de nous. Ils nous voient, ils ont le doute. Il me demande toi tu viens d'où? Les flèches elles mènent à combien d'endroits différents ici? 7-8. Ah carrément. 7-8, normal, à l'aise. Dis-nous. Voilà, je veux te dire un truc pour de vrai. Vas-y, dis. Tu vois quand je me fais courser par les keufs, si je suis en voiture ou je suis en moto, quoi qu'il arrive, je viens par là. Et après je passe par là, ils peuvent plus passer, je les ai baisés. La vie de ma mère, quoi qu'il arrive. Il y a des bons endroits. Je passe ici et boum boum boum. Il y a des bons endroits pour filer ou quoi quand ils sont là? Ah, il y a des endroits partout. Regarde, là je viens ici, je rentre ici, ils sont baisés. Là je viens ici, je rentre ici, ils sont baisés. Je viens ici, je rentre ici, ils sont baisés. Je connais la cité par cœur. Je la connais comme ma poche. C'est quoi les pires ici? Les pires keufs qui à ce temps, c'est lesquels? Il n'y a pas de pires keufs. Il n'y a pas de pires keufs ici. C'est tous les mêmes. Les fils de pute, frère. Quoi, t'as déjà eu des galères avec ça pendant les clips ou quoi? Pendant un tournage, ils sont venus. Même les keufs, ils sucent, mon frère. Il passe, ouais, Billy la hurle, nique ta mère, frère. À part ça, t'as déjà eu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des galères quand t'as clippé, quand t'es allé en studio, des trucs qui te sont arrivés que ça a fait que les trucs ne sont pas passés comme prévu? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, c'est vrai, un jour, un tournage Tarpoula, je me suis fait péter. Je me suis fait péter en cross, ils m'ont relaissé sortir direct. Il y avait tellement de monde, ils étaient jaloux, ils sont venus, ils m'ont pété. Il y a 8 motards, ils m'ont entouré. J'ai niqué sa mère, j'ai même pas pris une course poursuite, j'ai même pas le temps.
je me suis arrêté, je suis en règle. La moto sort du concessionnaire, je suis en règle. Je suis ressorti, j'ai continué le clip direct. Hey, je sais même pas c'était quel clip. Ce clip, il a été supprimé. Je devais clipper un son avec Cozy. Le jour du clip, je me suis fait péter par la BRI. Il a pleuré, mon frère. La vie de ma mère. Et sinon, les clippers aussi, toi, tu fais qui? Tu fais quel studio? Tu bosses dans quel studio? C'est comment, toi? En ce moment, je clique avec Vision Parallèle. Il bosse avec mon label. Et après, studio, question studio, je suis dans le studio de mon producteur. À Bagnolet, je suis là-bas, je pose là-bas. On a des putains d'ingés. Là, on est plus dans le même côté du quartier, on est passé par où là? Okay. Avant, on était là, en bas. On va dire que t'es au milieu là. Là, t'as la Martine, t'es au milieu. Voilà, il y a un vrai voyou crassé, des voitures démontées. T'es au Clos Saint-Lazare, mon frère. Ils ont c'est mis ça. Des parkings partout dans les des caméras partout dans les parkings. Elles ont mis même dehors ou quoi des caméras? Ah, il y a des caméras, mais on s'en bat les couilles, mon frère. Une cagoule, ça y est, c'est fini, on te reconnaît pas, mon frère. Et ton meilleur souvenir, ici, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir? Franchement, j'ai pas de meilleur souvenir. Hein. Tu vois, moi, je suis pas un mytho, je vais pas te mentir, je vais pas te raconter, je sais pas quoi. J'ai pas de meilleur souvenir. J'ai des bons moments dans ma vie, mais j'ai pas de meilleur souvenir ici. Mais je pourrais jamais quitter ma cité. Jamais. Je peux pas traîner ailleurs, je peux traîner plus ici. Imagine, tu perds sa mort, ouais. Gros. Et là, tu brasses sa mort, etc. Ouais. T'as l'option, tu peux bouger, tu peux faire ce que tu veux, gros. Tu resterais quand même ici ou quoi? Je veux te dire un truc. Demain, je pète comme John Hallyday, comme qui tu veux. C'est sûr que je veux plus habiter ici. Même les gens qui font du business, ils font du business pour prendre du papier, se tailler. Mais je veux toujours venir ici au point de source. C'est chez moi, ouais. Ici. C'est quoi que t'aimes le plus ici, justement, tiens? Le truc que tu retrouves pas ailleurs, etc. D'être un mec du clos. Ici. Ici, j'ai jamais tourné, mais j'ai tourné juste à gauche. Un son avec la B15. Je sais même pas, il s'appelle comment. Je crois qu'il est supprimé de YouTube aussi, celui-là. Je fais un freestyle ici, je suis en ouf. Moi, j'ai pas clippé ici. J'ai fait un freestyle ici dans le bâtiment, dans le rinté de mon poteau. Et j'ai fait un interview ici dans une camionnette. Ouais, c'était quoi cette interview, gros? Hein, pas dans une camionnette, dans un petit trafic. Voilà, j'ai fait un petit interview ici. Dans le bâtiment 27. Ici, il y a de la frappe. Ouais. C'est comment bloc D? Bloc D, l'ancien de la cité. C'est sûr, il a sa chicha. Regarde. C'est comment bloc D, ça dit quoi? Là, je vois, tu vas de loin, même pas. Tu m'as... Mais c'est un fou. Voilà, là-bas, je venais ici, wesh. Ah ouais, c'est pas fou, on a eu pas la vie. Regarde, voilà, là, sa chicha, t'es moi. T'es moi. T'as vu? Ah, effectivement, c'est vrai. Comme je t'ai dit, hein. Bien quoi, les gars? Ici aussi. Il y a du shit, il y a de la beuh, il y a de la coke, il y a de l'héro, il y a tout ce que tu veux. Il y a tout ce qu'il faut ici. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà eu même des rappeurs d'ailleurs qui sont venus clipper ici? Il n'y a aucun rappeur d'ailleurs qui va clipper ici s'il ne fit pas avec moi. Avec Shota, je n'ai pas encore clippé, mais on va le clipper ici. Après, je ne te montre pas, il y a plein de cités qui sont comme nous, hein. Des vraies cités gang. Exemple comme la Grande Borne, même si c'est loin d'ici, je sais qu'eux, ils sont comme nous. Aux alentours, ça doit parler d'eux, mais les vraies cités entre nous, on se comprend. La Courneuve, 4 queues, c'est pareil qu'ici, mon frère. Est-ce que tu trouves déjà, même, t'as vu, quand le quartier il a une réputation comme ça, c'est plus facile d'avoir une grosse réputation dans le rap aussi, tu vois? D'ailleurs, tu pars avec un avantage, on va dire, de crédibilité, etc., tu vois. Voilà, exactement. Et tu vois, je veux te dire la vérité, je suis pas un menteur. Hein. Je sais que j'ai du talent, mais il y a des gens, ils voudront fitter avec moi juste pour clipper chez moi. Mais moi, je m'en bats les couilles. Je vais clipper chez moi, mais vas-y, viens fitter avec moi. Quoi, t'as déjà eu des... Dans le fut, je vais te casser ta gueule. T'as déjà eu des demandes de rappeurs qui... Tu le sentais, c'était pour ça ou quoi? Je l'ai déjà senti, mais même si on me l'a pas dit personnellement, je sais. Là, ça va. Là, on est de quel côté du coup, du clos? On est de quel côté en du haut, là, on est à la montagne. En haut, ouais. Et quoi, il y a ce qu'il faut un peu? Tiens, j'ai jamais demandé, mais est-ce que ici au clos, il y a ce qu'il faut, genre grec, épicerie, etc.? Est-ce que vous avez ce qu'il faut ici? J'avoue, au clos, on a quoi? On a des épiceries. Il y a le Taïba, c'est à Saint-Denis, mais c'est à Saint-Denis, mais ça appartient au mec du clos. Après, il n'y a rien. Je te montre pas ici, il n'y a rien, mon frère. Il y a Coccinelle, ils vendent des canettes. Regarde les petits de la cité. Venez. Ils vont dire bonjour à la caméra. Ils sont là, ils regardent la caméra. Quoi, ils soutiennent bien les petits ici ou quoi? Ils soutiennent à la mort. Voilà, c'est des pirates. Est-ce que des fois tu reçois aussi du soutien d'autres villes? Ouais, beaucoup. Partout où j'y vais, ouais, Billy. J'aime bien ce que tu fais, continue, tu vas péter. Et ça me fait grave plaisir. Ça t'a déjà reconnu dans des endroits un peu improbables ou quoi? Ouais. Genre des villes, tu t'attends pas, ça te reconnaît? Ouais. Ouais. Genre c'était où la fois où tu t'es dit? T'étais plus étonné, ça te reconnaît? Plus étonné, ça me reconnaît. Surveillant. Jure. Surveillant en prison.
Ah, Billy l'a eu. Ouais, c'est comment mon gars, ça dit quoi? Tu fais n'importe quoi, pourquoi t'es ici? Gros, c'est comme ça, c'est la débrouille, sinon comment je mange? D'ailleurs, tu m'as dit, t'as connu un dégât de la Squadra au placard. Ouais. Est-ce que ça rappe en prison? Ça rappe ou quoi? En cellule, on écrivait des textes, tout ça, sinon on préparait notre sortie. Hein. Mais il y en a beaucoup, ils rappent là-bas ou quoi? En prison? Ouais. Je te mens pas, quand moi j'arrive en prison, je calcule pas trop les gens, c'est plus des menteurs. Ils te racontent je sais pas quoi. Ouais, moi j'ai ci, j'ai ça. Si tu veux, je te ramène des tonnes de bédos. Quand tu sors, tu les appelles, ramène-moi 2 plaquettes. Il te raconte sa vie. Attends, j'appelle mon frère, mon grand-père. C'est pas, c'est des menteurs. Il y a beaucoup qui disent le placard ça donne de l'inspi, tout ça. Est-ce que ça t'en a donné, toi? En fait, le placard ça donne pas de l'inspi. Ça donne un truc à raconter en plus dans sa vie. Tu vois, un travailleur qui va chez lui, il rentre au travail. Ici, demain, il chante, il rappe, il fait de la musique, il va te raconter ce que lui il fait. Mais si demain il est que dans la rue, c'est notre inspi. La prison, c'est la même chose. Ouais. Quand tu vas là-bas, t'es notre inspi. Depuis que t'es ici avec la Squadra, ici dans le terrain, où il y a les petits qui jouent là. Ouais, ouais. Si tu veux, viens, on passe. Bah, vas-y, viens, on va passer. Bah, d'ailleurs, en plus, c'est la partie un peu rénovée ici, non? Ouais, c'était rénové. Ça se voit, c'est un peu. Ouais. Il y a des mecs. Ils font des tractions. Des tractions. Sinon, il y a des bons joueurs qui viennent du club ou quoi? C'est des joueurs de foot. Ouais, les gars qui ont signé. Ah ouais? Ils jouent à Monaco. Là, je crois qu'ils jouent. Et Abdoul, ils jouent à Al-Mamin. Ils jouent à Francfort là. Moussa Diarra. Ah, il y a plein de gens, voilà. City. C'est ici, j'ai clippé toujours dans le Banks. Avec la Squadra. Ça s'est passé ici. Là, les petits, ça y est, ils m'ont vu, ils sont non plus concentrés. Ils sont plus concentrés. Gros, je sais que t'es pas un menteur. C'est-à-dire que c'est là que tu dois répondre pour de vrai, gros. T'es chaud au foot, toi ou quoi? Au foot? Je te mens pas. Avant, quand j'étais petit, j'étais fort. Maintenant, je suis éclaté. Je suis éclaté, mais je me débrouille. Y'a pas un gars de ta génération quoi? C'est qui le meilleur de ta génération ici? Le meilleur de ma génération? Un pote à toi ou je sais pas qui? Il y en a beaucoup. Mais personne n'est allé vraiment loin. Personne n'est allé vraiment, vraiment loin. Carré. Non, moi, c'est en moto, en cross, une main. Ah, t'es chaud, toi, ça? Bavette, ce que tu veux. C'était quoi ta première moto? Ma première moto, je l'avais volée. Je devais avoir peut-être 13 ans. C'était un dirt. Raconte qu'ici, là, pendant le clip de la Squadra, t'as cassé la moto, frère. Ouais. Ah, il t'est arrivé un truc. J'avais pas dormi toute la nuit. J'étais défoncé, on a clippé. J'ai pris le cross de temps, j'ai fait un soleil. J'allais me tuer. Ah, c'était où? C'était là sur la ligne là? Ici exactement. Voilà, j'allais me tuer. Est-ce que t'as des anecdotes un peu sur tes clips, gros? Ah, j'ai fait que des trucs de fou. Voilà, un jour, j'ai fait un carton à Total. J'ai envoyé le mec dans le coma. Les keufs sont venus me menotter à l'hôpital. Ma mâchoire, elle était cassée. À la montagne, j'ai fait un carton. Ma tête, elle est rentrée dans le pare-brise. Tu vois, si je te raconte ma vie, t'es assis en face de moi. Tu vas dire, lui, c'est un menteur. On a coccinelle. Tu vois ce que je t'ai dit, il y a une canettes, ils vendent des trucs, il y a une laverie, il y a une petite chambre juste ici là. En plus vos battes sont pas pareils hein. Ouais, c'est des tests, des tours, ouais. ils ont cassé plein de tours hein. Ah ouais, ils ont cassé au moins 2-3 tours. Mais c'était comment avant ici tu vois? Parce que là ça a changé ici depuis que t'es né ou quoi? Ah, ça a beaucoup changé hein. Ouais. Beaucoup. Partout. Avant les bâtiments ils avaient même pas de porte. Maintenant il y a un badge pour rentrer, c'est un truc de ouf wesh. Il y a un badge pour rentrer. Là il y a les mecs de la cité, ils sont là. Aussi partout. Même ici il y a du shit. Mais là tu sais on a Coccinelle, on est ici aussi. Foxy, Crispy. Oui. Même ici il y a du shit. Les flèches ils ramènent même ici. Ils ramènent partout, ils les ramènent partout là. Voilà, ici t'as la Max, t'es toujours au clos. On dirait on a changé de ville, mais on est toujours au clos. C'est toujours le clos, ça. C'est toujours le clos. Il y a eu des morts dans toutes les rues. Toutes les rues où je t'ai ramené, il y a eu des morts. Je veux pas te dire qu'on est à Chicago, mais t'as pas besoin de prendre l'avion pour aller là-bas quand t'es ici. Bon, du coup, Tita, c'était comment le rap au clos là? Au moment où t'as commencé, par exemple, c'était comment ici niveau rappeur? Niveau moyen, niveau tout ça. Il n'y a pas eu un grand rappeur qui a eu l'occasion de montrer quelque chose dans le game en gros hein. T'as vu pas assez d'exposition, difficile, on était renfermé, des problèmes interquartiers, etc. La musique c'était pas comme maintenant, il n'y avait pas tous ces éléments pour se montrer, donc c'était un peu compliqué. Après on a flirté avec des rappeurs qui étaient en tendance à cette époque là
comme Salif, il a fait la moitié de ses clips ici. C'est un ami à nous. On a essayé de le booster, etc. Mais ça a toujours été un peu compliqué pour les rappeurs d'ici, malheureusement. Et Billy, tu penses qu'il y a toujours le manque de lumière ici à Astin ou quoi? Il y a toujours le manque de lumière, hein. Mais la lumière, je vais la ramener sur ma ville, Astin. La lumière, je vais la ramener. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Ouais, ce bâtiment, il a abandonné ou quoi, gros? Ce bâtiment, il est mort, frère. Il est cramé un peu, hein. Frérot, du coup, toi, t'es d'où, toi? T'es du Clos ou t'es de... Non, moi, je suis de Saint-Denis, à Liendé. C'est à côté, c'est à 2 minutes. Il n'y a qu'une rue qui sépare. En fait. T'as de l'actu un peu en ce moment, toi, dedans? J'ai de l'actu, là. Il y a un feat avec Mala. J'en ai presque à 200 cas. Ça fait 2-3 jours, je pense, qu'il est sorti. Et après, il y a quoi? Il y a une série de freestyle, des brides. Un feat avec Ozzy et un feat avec Shotas. Et voilà, pour l'instant, il n'y a que ça. Et ça va arriver, en tout cas. Billy, dernière question pour toi. Gros, c'est la même dans toutes les vidéos. C'est classique, elle. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Paris, mon frère. Paris, ouais. Bon, c'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suit, gros? Mes réseaux? Snap Billy CSN. Instagram Billy Lahur. Bon, tout est bon. En plus, on revient pile à l'endroit où on a commencé. On peut pas mieux finir. C'est carré. À l'endroit où on a commencé. C'est carré, mon gars. On revient toujours à la source. Quoi qu'il arrive. Vas-y, tout est bon, Billy. Merci en tout cas, mon gars. Et on est ensemble, tu connais. Tous ceux qui regardent, bien sûr, allez checker Billy ce qu'il fait. Ça arrive fort. C'est carré, la vidéo. Regardez-la. Vous allez comprendre ce que j'ai, il y a plein de gens qui le pensent. C'est carré, bien vu mon c'est ref. Carré, on est ensemble mon ref. Le rentré, les détails, les pirates, la prod de la tabasse, comme si j'étais dans le cul à Nicky. Je fais bisous et la lèche. Tempérament plutôt fait marre, mais c'est l'oseille qui dit sous ma paresse.